Anch'io farò qualche parola in italiano, mi deve scusare. Non è. E dopo parlerò in francese per avere un po' di equilibrio. Innanzitutto desidero ringraziare i nostri amici italiani per l'eccellente accoglienza riservata e l'adesione del Partito Democratico al Partito Socialista Europeo è un'ottima notizia per tutti i progressisti europei. Saluti cordiali al nostro nuovo collega Matteo Renzi e anche alla nostra collega Federica Mogherini. Grazie e je vous souhaite le meilleur. Alors, mes chers amis, pour être bref, on l'a dit, l'Europe ne peut pas être uniquement l'Europe de l'austérité. Bien entendu, que nous soyons socialistes, social-démocrates, nous devons être responsables budgétairement. Parce que nous ne pouvons pas laisser à notre jeunesse le fardeau de la dette. Mais être responsable budgétairement, c'est assainir nos finances à un rythme qui soit soutenable pour nos citoyens, pour nos entreprises, pour le monde associatif, pour le monde coopératif. Et bien entendu, sans devoir supprimer des écoles, des hôpitaux, des travaux publics ou bien des transports publics. Alors, l'Europe n'est pas qu'un marché, c'est avant tout, on l'a dit, une communauté de valeurs et de droits. Nous voulons donc, nous, une Europe beaucoup plus humaine. Mes chers amis, la réalité sociale, elle est très dure. Elle est très dure pour des millions de citoyens. Près d'un quart des Européens est menacé de pauvreté ou d'exclusion sociale. Quel avenir allons-nous proposer en particulier aux 27 millions de chômeurs, auprès de 6 millions de jeunes de moins de 25 ans qui n'ont pas d'emploi. Et ce n'est pas avec le six-pack, le two-pack, que vont imposer les réformes nécessaires. Alors, je vais prendre un exemple très concret qui est celui de l'industrie. On va en parler au prochain sommet européen. L'Europe a besoin d'une politique industrielle parce que 80% de nos exportations proviennent de la politique industrielle, enfin de l'industrie. Et chaque fois qu'on crée un emploi dans l'industrie, on en crée au moins deux dans les services. Mes chers camarades, l'Europe doit aller plus loin dans ces domaines et créer davantage d'emplois. L'Europe ne peut avancer qu'avec les Européens, car elle n'a pas d'avenir sans les Européens. Et je suis, comme d'autres collègues, un ardent défenseur du projet européen. C'est lui qui nous permettra d'avoir notre mot à dire sur la scène mondiale. Et on voit aujourd'hui des problèmes majeurs aux frontières de l'Europe. C'est le projet européen qui va nous permettre de transférer, de transmettre, d'influencer grâce à nos valeurs à travers le monde. Nous ne devons jamais oublier les décennies de paix qu'a offert le projet européen, mais maintenant, il faut aussi remettre à nos jeunes, permettre à nos jeunes le pouvoir se construire un avenir, de pouvoir réaliser leurs rêves. C'est pour ça que nous voulons un changement de politique avec le Parlement européen et la Commission européenne. Et pour faire bref, chers amis, on a besoin d'une Europe qui soit beaucoup plus humaine, qui soit beaucoup plus progressiste, attentive aux citoyens qui réussissent à créer de l'emploi. Et pour ça, on a besoin de femmes et d'hommes qui seront moteurs de ce changement. Parmi les femmes et les hommes, il y a Martin. Et Martin Schulz, on l'a dit suffisamment, de par sa personnalité, de par tout ce qu'il a fait, il incarne véritablement le changement de cap dont nous avons besoin au niveau européen. Alors Martin, nous sommes avec toi. On te souhaite bien sûr le meilleur. Mais à travers ta personne, c'est véritablement une autre Europe que nous voulons, une Europe qui soit véritablement celle des citoyens et qui permette aux gens, aux citoyens de mieux vivre. En tout cas, tous mes vœux, tous nos vœux t'accompagnent. Merci.